rendu à notre étape du vidéo. Action à 3, 2, 1! Mon bout préféré, c'était quand genre ils m'ont pris dehors tout seul puis je me suis défoulée. Ça faisait du bien. Amplisson est une école de musique pas comme les autres. Ici, l'aventure passe par la formation d'un groupe rock. Tout le monde peut s'y inscrire, les jeunes du primaire, du secondaire et même les adultes. Il suffit d'avoir le goût de vivre l'expérience. Toute la saison, notre caméra les aura à l'œil, ces musiciens en herbe. Gageons qu'ils nous mèneront bien au-delà de la musique. Vous suivez? Attention, les feux sont allumés. Donc, on est ici ce non, matin. On est ici ce matin. C'est moi qui fais l'intro. On est ici ce matin. Hey, le gros. T'es pas sérieux? Ouais. T'as-tu poigné ça? Aujourd'hui, on est ici parce qu'on va faire une vidéo. En fait, au camp d'été, l'été passé, on a débuté cette expérience-là de composer des chansons puis mettre des images là-dessus. World is a lie. But that's not ça donne que le gars qui est derrière la caméra, qui nous filme depuis le début de l'année, on lui a donné ce contrat-là de faire les vidéos. Il va travailler en collaboration avec une élève des Rhythmics, Jessica Paradis, qui est attirée par ce milieu-là, le milieu de l'image et tout ça. On se fait un petit tour de table avec Simon et Jessica. Ils ont eu des idées pour le clip, par rapport à la chanson. Avec la compo des Rock Hard, ben, on a comme le choix d'y aller 100% font semblant de jouer ou y aller avec une histoire puis on se fout de la toune ou un mix des deux. Alors, nous autres, on s'est parlé puis on a trouvé peut-être un mix des deux en impliquant les kids d'un bar qui pourraient jouer puis chanter puis prendre genre Léa pour faire la petite histoire d'amour. Est-ce que ça vous fait pas peur d'utiliser Léa, qui a été très, très discrète, très effacée tout le long de l'année, puis de la mettre en avant-plan comme ça? T'sais, c'est en dépassant nos limites qu'on apprend à moins être gêné. Puis, tu sais, personnellement, moi, j'ai toujours été gênée, puis c'est en faisant des shows dans le son, puis des affaires que devant les gens que j'ai appris à un peu moins être gênée. Effectivement, ouais. Comme elle le dit, c'est une petite fille qui est partie de loin au niveau de prendre le plancher, de venir s'extérioriser. Alors, sa relation avec Léa, je pense que ça va être intéressant de voir ça tout au cours de la journée, qu'est-ce qui va se passer. Ça serait le fun que toi, Jessica, quand tu vois si jamais elle a de la difficulté, que toi-même, t'ailles prendre ça en main. Ces jeunes-là, on les a vus tout au long de l'année. Sont cute, sont fun, il y a une dynamique, tout ça. Ça fait que là, on va les voir dans un autre contexte, du semi-comédien, mettons. Là. On va même jouer des affaires, je pense que ça va être le fun. Une des premières étapes quand on fait un vidéoclip, c'est trouver les endroits où on veut filmer, donc faire du repérage. Eh bien, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. OK, s'il vous plaît! Aujourd'hui, le son de rock numéro 98, c'est-à-dire le vidéoclip. Dans une carrière de musicien, on fait plein de choses. On fait la tournée, on fait des shows, on fait du studio, plein d'affaires. Mais il y a une affaire qui est encore plus importante que ça, c'est-à-dire le vidéoclip. Selon vous, dans un vidéoclip, qu'est-ce qu'on a? Une histoire? Ah, OK, une histoire... Mais c'est pas important, une histoire, c'est pas important. Oui? Le groupe de musique. Ouais, mais des fois, on veut pas trop le voir, le groupe de musique. D'autres choses. Mais là, une chanson. Bon, OK, ça prend une chanson, on n'a pas le choix. Il y a quelque chose qui est au-dessus de tout ça, qui est vraiment importante, c'est-à-dire le ralenti. Le ralenti, il n'y en a jamais trop. Du ralenti, on en veut plein. Alors, ça va bien les Rock Hard? Oui. On est rendu à notre étape du vidéo. On acte.
Je veux avoir de l'énergie. OK? On fait semblant qu'on joue devant 7000 personnes au pigeonnier. OK? Ça va? Évidemment, on s'en va dans une place publique. S'il vous plaît, essayez de rester avec nous. Des fois, vous allez voir, tantôt, on va travailler fort, là, tantôt. Il va y avoir beaucoup de shooting, puis tout ça, puis on va être en mode, OK, on a tout ce que ça prend, l'éclairage marche pas, il y a un bug de batterie, etc., etc. Faut être toujours prêt à travailler. Tu sais, je sais pas si vous êtes stressé, vous, de toute façon, moi, un peu. C'est... Oh, ben... Ouais. Elisabeth? Fait que là, on va jouer par-dessus notre chanson. Tu vas entendre la chanson, on va playback, on appelle, on joue la toune, puis vous jouez par-dessus. Okay. Est-ce que t'entends ce qu'il va jouer, tu joues par-dessus, puis... Dites-moi pas, là, hein, on est rendu ou tout ça, tu joues quelque chose. C'est dur de faire ça, je vous le dis, là. Quand faut que tu fasses semblant de jouer, là, puis t'as pas, tu joues pas, t'es même pas branché, là. OK? Mais faut le faire, parce qu'après ça, les 8 secondes qu'on va vous voir jouer, on veut que ça soit explosif. Okay. Ils veulent savoir si on a l'air yeah, l'école est finie ou normal. Moi, je dis yeah, l'école est finie. Bon, sinon, qu'est-ce que t'en penses? Non, je te laisse de choisir. Ça, c'est de la DA. Ça, c'est... Ah, OK. OK, bon, ben, la fois, quand vous allez aller vers la bus, là, c'est important de, d'y aller par la gauche, OK? Donc, vers là, de la caméra. Faut être de quelle humeur? Faut être content. Comme ça. Yeah! Ça va. Action en 3, 2, 1, action! Mais là, vous me direz que j'en fais un de plus. Bon, bon. T'es vrai, je parle. Fallait-tu que je chante? Dans l'autobus, j'ai trouvé quand même bonne parce que, tu sais, l'autobus, des fois, shakeait, là. Puis, tu sais, c'était vraiment spécial parce que dans le vidéoclip, ils vont le passer les trois en même temps, en fait. Mais ça nous a pris presque toute la route, en fait, toute la route pour passer trois personnes. Mais ces trois personnes-là, ça a pris 10 secondes pour la vidéo. On est au 400e, c'est vraiment cool parce qu'il y a comme une terrasse en haut où on peut jouer. Nous autres, on a vraiment trippé, on voyait tout. En haut, on voit tout le vieux Québec, là, le fond. Là. Fait que c'est une belle place à tourner. Là. Même si ça sonne pas bien, on s'en fout. C'est pas grave, on n'enregistre pas le son, c'est le visuel qu'on enregistre. Regarde-moi avec ton petit œil qui te regarde. Ouais, comme ça, c'est bon, ça. C'est pas un petit œil, c'est un gros œil, là, parce que. Puis là, moi, je te tape fort, mais c'est pour que t'aies le tempo dans la tête, OK? Jules, mets-moi beaucoup, 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 beaucoup trop de mouvement. Là, même si c'était pas tête, c'est pas grave. Je vais mettre en ralenti. Fait que t'as pas. C'est pas grave. Tu peux bouger tes cheveux aussi. Hein. OK, go! Hey, ça c'est bon, ça. Check ta tête, plus que ça, fort! Ouais! Okay. C'était vraiment c'est bon. Ça, c'était pas ça, d'accord, je t'avais montré. Non, mais je fais n'importe quoi aussi. OK, next. Mon bout préféré, c'était quand genre ils m'ont pris dehors tout seul puis je me suis défoulée. Ça faisait du bien. Vous-tu, dans le fond, être triste ou content? Dans le fond, c'est quoi qu'il faut... Quand vous avez écrit la toune, c'est à quelle émotion vous pensez? Ben, tristesse. Ouais, ben, c'est ça. Donc, peut-être l'émotion que, à laquelle vous pensiez quand vous avez écrit la toune. OK. Je pense pas que c'est une toune full joyeuse non plus, là. Bouge tes cheveux, Liam. Bouge tes cheveux. Vers en haut. Ouais, comme ça, c'est bon. Ouais, c'est bon. Encore. Plus. Oui. Oh, quand tu me tues partout, je vais en faire. Ça, c'est un peu, ça. Mais voyons donc. Moi, j'aime beaucoup être devant les caméras. Je sais pas pourquoi. Je pense juste parce que c'est plus le fun. Puis, normalement, quand tu passes devant une caméra, après, le monde, ils vont voir ça sur le web. Puis. J'aime ça être connu.
pas pour bouger là, au max. Comme okay. Liam, tantôt. Liam, là, tes cheveux, tantôt, c'était même Jules. Jules aussi, tantôt, c'était cool. Ouais. Vers ici, Étienne. Ouais. Ça va. Je sais pas. Pourquoi vous sautez pas? Non, mais pas nécessairement tout le monde, mais genre, vu que vous avez pas à genre, à trouver une note, là, ou à vous inquiéter, là. Là, les amis, écoutez-moi bien, OK? On a à peu près 3-4 shots de ça, là, OK? Je veux que ça soit les 4 plus beaux moments de ta vie, là, OK? Écoute, moi, je suis un petit peu envieux, là, de ce que vous vivez présentement, alors donnez-en, OK? OK, Étienne? Je savais pas vraiment que ça prenait tellement de temps, là, pour faire le vidéoclip. C'était plus simple que ça, là. Mais il faut faire plusieurs fois, reprendre toujours la même scène. Puis, on est allé à plusieurs places, beaucoup de déplacements. Ça prend. Ça, dépendant du vidéoclip, ça prend une journée au complet, là, à le faire. On a hâte de voir le résultat. C'est ça. Hâte de voir. Aujourd'hui, c'est la deuxième journée. Puis, C'est ça, Étienne. C'est Léa qui va avoir des cœurs à cannelle. Puis tu vas te promener, puis tu vas essayer d'en offrir à chaque personne. Le rôle que je joue, c'est une fille qui donne, bien, qui offre son amour à des gars. Puis il y en a qui veulent, puis il y en a d'autres que non, là. Puis genre, des fois, il faut que je sois fâchée, triste, contente. Léa, à la maison, c'est vraiment un bout en train. À l'école, c'est quelqu'un de complètement effacé. Elle lève même pas la main quand elle comprend pas des choses. Elle parle pas, mais elle a beaucoup d'amis. Mais chez nous, là, si elle pouvait être la mère, elle serait la mère, je pense. Là, elle aime ça prendre des décisions. Visuellement, c'est vraiment le fun. T'as l'arbre là, t'as le setup du Québec. Et on est relativement dans l'ombre. On parlera pas, hein, dans ça, on parlera pas. Non. Parce que ça, c'est bizarre qu'on parle pas. C'est un vidéoclip. C'est la toune qui joue en background. Oh! Léa, toi, tu vas arriver en arrière avec tes cœurs à cannelle. Là, tu y offres. Puis toi, tu sais juste tenir les choses de même, puis ça va vers lui, puis t'es tout super contente d'y en offrir, OK? Toi, t'es en mode... Ah, c'est beau, c'est joli, Québec. C'est génial. Wow. Comme si c'est la première fois que tu viens ici, genre. Mais il faut que tu sois dos à elle, tout le temps. OK? Okay? Mais est-ce qu'après, il faut que je m'en aille? Non, tu restes là. Avec les marins, ça aurait été beau. Go. Ça roule. Super, toi. Là, Léa, on fait un insert des cœurs en cannelle que tu montes à Matsuru parce que c'est la première fois qu'on les voit. OK. Bonjour, Rod. Baisse tes mains. OK. Lève. C'est parfait, ça. 3, 2, 1, action. Matsuru. Oh, ben. Je fais plutôt le personnage que j'ai pas tout à fait compris, là. Ben, je comprends pas l'amour que Léa offre. Peut-être que si je la comprendrais, je l'accepterais. Mathis fait semblant de lancer le cœur, là. Puis tu regardes, puis tu fais comme bye. Comprends-tu? C'est clair? Oui. OK, ça va. 3, 2, 1, action! Moi, j'aime ça faire un rôle, mettons, qui me ressemble pas, là. Faire comme pas être gentil sans vraiment blesser la personne. Fait que, tu sais, au moment, on peut s'amuser là-dedans. Là, faut vraiment que t'en mettes plus. Puis je te mets au défi de me faire dire que t'en mets trop. Genre, t'en mets tellement que je te dis, comme, mets-en moins. Puis ben moi, j'ai vraiment aimé mon rôle, là, parce qu'il fallait comme faire ça entourer, puis en tout cas, moi, j'aime vraiment ça, faire ça. Je trouve que ça se passe vraiment bien, là, puis j'ai hâte de voir les résultats, là. Ben peut-être que le rôle que je joue, ça me ressemble dans la vie, là. Ouais, ben quand elle était jeune, elle faisait des vidéos, elle faisait des émissions de télé, des recettes. Faire une pause, et après, nous allons déguster le crêpe.
Oh. Elle fait plein de films, elle fait des danses, elle fait des pièces de théâtre. Mon premier vidéoclip, c'était avec ma cousine. Je m'en rappelle plus bien, là, parce que ça fait longtemps, là. Ça s'appelle Lost, puis il était perdu dans le bois. Je pense que ça doit apporter quelque chose au niveau, dans le cerveau, pratiquer certains concepts, ou je sais pas comment expliquer ça, mais c'est certain que ça l'a aidé. Moi, au début, là, que j'allais rester dans ma bulle tout le temps, puis jamais en sortir, puis à chaque fois que j'avais des occasions de faire des affaires de même, tu sais, je les faisais pas, parce que j'avais peur. C'est en faisant plein de trucs comme ça qu'à un moment donné, ben, ça sera plus moins gêné, puis rendu un peu habitué à faire ça. Ben moi, dans le vidéoclip, ben, je fais le gars qui donne les cœurs à Canel. Parce qu'elle les avait échappés. Puis je suis gentille. On va laisser Codec rouler. Tu check dans le viseur si t'as l'émotion que tu veux. Après ça, on dit on est correct. Est-ce qu'elle est triste avant de regarder ses mains ou elle regarde ses mains puis après ça, elle est triste? Genre, elle réalise qu'elle en a plus, fait que la personne est triste. Ça, c'est ton corps. Mais je sais pas. Je sais pas, mais fais les variants. Ben, là, t'es triste. Puis tu regardes tes mains. Pour ça, t'es encore triste puis tu penses que, t'sais, y a personne qui a voulu de tes cœurs puis t'en restes plus, là. Mais genre, vraiment plus triste que ça. Puis là, vous regardez parce que vous êtes en amour. C'est cute. OK. Mais on a choisi Tim puis Léa parce que, ben, je sais pas, là, ils fêtent ensemble. Là, ils se ressemblent. Fait que c'est cute. Ça va, Mathieu? Ouais. C'est bien beau traîner cette affaire blanc-là, là, mais ça sert à quoi? Ben, un reflux, ça sert à quand t'es dehors puis tu filmes, là, prendre le soleil, là, puis ça le reflète qu'on voit la personne comme il faut. Mettons ouais. Qu'on est dos au soleil? Ouais, ouais. C'est quoi que tu retiens le plus de l'expérience? Mais la prochaine fois, genre, j'aimerais ça être en arrière du Kodak pour les vidéos, là. On va inverser les rôles. C'est ma première fois que je fais un vidéoclip comme ça, là. Moi, j'ai compris qu'il fallait accepter l'amour de Léa. Qu'est-ce que t'as aimé le plus aujourd'hui? Ben, qu'on a fait tout. Mmh. Quand je courais, là. Pourquoi t'as aimé ça? T'as aimé ça courir? Mais ça fait du bien de courir pour aucune raison. Je verse une lame sur ses pages.
Ce soir, on vient pratiquer avec les Rock Art pour le festival de tri dans 4 jours. On s'assoit là, on prend des notes, on se parle un peu, puis on le refait. Aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est timing. On a 15 minutes pour rentrer tout ça.